quand j'étais gamin, je rêvais de rencontrer un jour un artiste. Waouh! Oh, désobéir, évidemment. Ordonner, sûrement pas. Je conseille ou je demande, mais ordonner, non. Ah non, non, non. Ça, c'est des grands mots. Et je sais pas très bien. Je sais pas très bien. Artiste, c'est un mot encore plus grand que poète. Déjà, poète, c'est une grande chemise qu'il faut s'habituer à porter. Mais alors, artiste, dis donc, quelqu'un qui fait de l'art, t'imagines ? De l'art, c'est un truc, quand j'étais gamin, je rêvais de rencontrer un jour un artiste. Waouh ! Quelqu'un qui fait de l'art. Alors, je sais pas si je peux porter cette chemise-là, moi. Oh, les deux, mais beaucoup de murs des champs. J'habite à la campagne, moi, personnellement, et je trouve que le street art est en effet souvent limité à la ville et j'ai envie d'en faire ailleurs. C'est très chouette aussi d'offrir ça au public rural, quoi. J'ai eu ma période Vladivostok, une période où j'ai fait le tour du monde pendant 15 ans, j'ai adoré ça. Et maintenant, je suis beaucoup mieux dans les campagnes wallonnes, j'aime bien. C'est là que j'habite et c'est là que je travaille, je rencontre des gens. Et le voyage, c'est pas une question de nombre de kilomètres. C'est une question de qui tu rencontres et comment tu rentres en contact avec eux. J'adore les oiseaux. Les corneilles, vraiment, c'est des amis. Elles vivent en communauté, elles s'amusent entre elles. Elles volent. Le pouvoir des oiseaux est extraordinaire. Ils peuvent voler, ils peuvent chanter. Bon, le chant des corneilles, on en parlera, mais... Mais les oiseaux, oui. Oui, oui. Mais les coccinelles, c'est beau aussi. On appelle ça la bête à bon Dieu. Je crois pas trop en Dieu, mais... C'est la beauté qui compte. Les bêtes à bon Dieu, j'aime bien les coccinelles aussi. S'il faut choisir entre les deux, non, on est obligé de choisir, vraiment. Oh. Je prends les deux. Alors là, sûrement pas VIP. J'ai aucune prétention là-dessus. Et justement, j'ai une carte VIPO. Ah ben alors, c'est choisi, VIPO. Un peu des deux. Des fois, ouais, je sais pas. C'est surtout le lieu ou le public que j'essaie de toucher. Mais légal ou vandale, ça n'a aucune importance en fait.